Il n'a pas l'air d'un chasseur de poulets. Eh bien, salut tout le monde, c'est Barry Onyx et on se retrouve sur Fable The Lost Chapter. Alors, puis-je vous aider ? On va aller prendre une mission. Une quête. Voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, défense ferme au verger. Menez les bandits jusqu'aux caisses et couvrez-les pendant qu'ils les volent. Ah ouais, non. Aidez les gardes à défendre la ferme au verger contre une attaque de bandits. Yes. Sélectionnez une quête. Oui. On est bien d'accord que j'ai sélectionné la quête pour défendre la ferme. Attendez. Ah, c'est par là. Bon, on y va. Besoin d'aide ? Par contre, les deux... Les deux cueilleurs de champignons, là, je sais pas où ils sont. Alors comme ça, tu vas travailler à la ferme au verger. Je savais que c'était ta vocation. Ah, hier, à la guilde, Lady Grey a fixé cette quête pour le camp opposé. Peut-être devrais-je la faire ? J'espère que tu t'es entraîné. Il te faudra toute l'expérience possible pour me battre. À plus tard, le fermier. Oh là, je crois qu'elle a tellement pris le seum, elle, qu'elle m'en veut maintenant. Votre multiplicateur d'expérience de combat vous permet de maximiser l'expérience acquise en combat. Il apparaît en haut à gauche de l'écran. Plus vous infligez de dégâts sans vous faire toucher, plus vous augmentez votre multiplicateur. Essayez d'obtenir un multiplicateur de combat aussi élevé que possible dans le combat suivant pour maximiser l'expérience gagnée. Bon, alors... Merde, j'ai oublié de sortir les... Il a pas fait long feu. Voilà. Il a pas fait long feu. C'est fini pour cette crapule. Attendez, c'est pas la seule chose de dire. Oh, non. Bonjour. Non, c'est par là. Bon, j'imagine qu'eux, ils vont me suivre, donc on va les tuer tout de suite. Voilà. Très bien. Allez. Direction le verger. C'est pas bon du tout. Il a pas fait d'autre. Très bien. Ouais, pas de deal à se faire. J'ai combien de clés ? J'ai pas assez de clés. On doit être amis, non ? Alors, par là. C'est vous, chat. On va prendre cette direction.
Avant soit loué, je pensais que personne ne répondrait à l'appel. J'ai pris quelques mesures pour plus de sécurité, mais il y a trop de bandits. Ils vont me raser ma ferme. J'aimerais n'avoir jamais trouvé ces pierres. Elles sont porteuses de malheur. Ma femme Jenna ne les veut pas près de la maison, alors elles sont dans des caisses dans la grange. Elles doivent valoir une fortune, on dit que Lady Grey les veut. J'ai déjà perdu 3 aides dans ces raids. Ce sont sûrement eux. Je ferais mieux de rentrer m'occuper de ma femme. Elle est terrifiée. Alors, défense ferme au verger. Délégue garde à défendre la ferme au verger contre une attaque de bandits. Ok. Ah. Ah non, ça c'est les gardes. Et là-bas c'est les bandits. Allez, c'est parti. On a de la compagnie. On ne peut pas. Passez devant. Pour la justice. Soutenez-moi. Allez, vas-y. Juste derrière vous. Alors... Ah, ils viennent par là. On a de... J'ai la caisse. On a de la coupe. Parfait. Vous avez maintenant assez de renom pour utiliser l'expression « railler ». Ok. Notre nouveau rang est anodin. Je vois d'autres bandits qui approchent. C'est parti. On est tous. Ils sont bien. Faut que je surveille quand même mes points de vie. Essayez d'augmenter votre multiplicateur de combat. À bord, les balles ! Très bien. Je vous défends. Alors, je vais prendre dans mon inventaire de quoi me remettre de la vie. Non. Pourquoi ça rame dans les... Dans le menu, je comprends pas, là. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais de la nourriture. Voilà. Passez devant. Oh, tu as appris de nouvelles attaques? Eh bien, tu n'es pas le seul. J'espère que tu as appris à placer des bottes, car c'est ton seul moyen de te rapprocher de moi. Allez, essaie de me toucher avec une botte. Utilisez des attaques de mêlée pour augmenter votre multiplicateur de combat et pour gagner une botte spéciale. Lorsque vous voyez l'icône croix scintillante et qu'une lueur violette apparaît sur votre arme, appuyez sur A pour porter une attaque puissante et imparable. Tu te débrouilles pas mal. Mais je vais quand même te battre. Amène-toi. Oh merde, elle a esquivé. Ah, je suis battu. Bon, cette quête est pour toi alors. Tu n'auras pas toujours cette chance, fermier.
Nous nous reverrons un jour. Et je serai prête. Vous avez réussi! Tous nos remerciements! Quelqu'un va bientôt passer pour ramasser les caisses, comme ça nous n'aurons plus de problème. Je ne comprends rien à toutes ces histoires de pierres, et je serais bien content de m'en débarrasser. Mais apparemment, elles ont de la valeur pour quelqu'un. Je parlerai de vous à tout le monde. On a besoin de héros comme vous. Bon, eh bien voilà, on a aidé ce fermier. Broche de Whisper. Vous êtes maintenant assez bon pour utiliser l'expression « s'excuser ». Choisissez vos quêtes à la guilde. Très bien. Alors, on va retourner à la guilde. C'était où déjà ? Entrée de... Ouais, c'est par là, justement. Non, attendez, je me suis gouré. Oui, c'est... Oui. J'ai pris le mauvais chemin. En fait, le champ de vision, c'est la caméra qui le dirige, pas le là où regarde le personnage. Les ennemis changent. C'est plus les guêpes là, c'est les bandits. Ok. Je lâche. J'ai pris un truc, je sais pas ce que c'est. Il a pas fait long feu. Alors, où est-ce que je dois aller? La croisée, c'est par là. Ces bonnes vieilles abeilles. Voilà. Bon, on dirait bien. Très bien. Ok. On va continuer. Croisée des chemins. Bonjour. Attendez. Je suis là. Ah non, c'est... Je vais aller à la guilde des héros, moi. Ah, quoi qu'avec l'argent que j'ai reçu, je pourrais peut-être aller m'acheter des vêtements. Alors... Tiens, c'est pas celui à qui je devais rapporter un champi, ça? Je cherche quelqu'un pour m'emmener à la ferme au verger. Si vous m'aidez, je vous paierai. Bon, on vous donne un quart de la... Si vous décidez de m'escorter, revenez me voir. Ok, cool. Tiens, je sais pas, c'est quoi ça? La statue ne semble pas pointer dans une direction particulière. Ok. Qu'as-tu à proposer, marchand? Vous êtes sûr de trouver votre bonheur? Les fermiers se sont fait voler. C'était des choses bizarres. Parti.
Ça doit être encore les espèces de titres, là. Très bien. Alors, on va voir pour dépenser les points. Voilà. Volonté 15. Je comprends pas trop là, bon, c'est pas grave. On va augmenter la vitesse. Voilà. Parfait. Au niveau de la force, on va augmenter le tout. Bon, voilà. La vigueur. Putain, pourquoi ça rame comme ça dans les. Dans le menu. Annuler le niveau, non. Attendez, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vigueur. Ok, c'est bon. Volonté. Sort d'attaque. Une boule de feu. Non. Bouclier physique. Ce sort crée autour de l'utilisateur une aura d'énergie protectrice qui absorbe les dégâts subis moyennant un certain coût de mana. Le bouclier dure jusqu'à ce que l'utilisateur n'ait plus de mana ou jusqu'à ce qu'il soit lancé à nouveau. À plus haut niveau, ce sort permet d'absorber davantage de dégâts. Ouais, ça me plaît bien ce sort, là. Je vais le prendre. Soyez attentifs à la diminution de vos réserves d'expérience. L'expérience de volonté sera toujours des... Très bien. Et donc du coup, si je fais B... Voilà, j'ai le sort de protection. Je peux avoir que deux sorts à la fois. Bon, ok. Alors, on va accompagner l'autre, là, sa ferme au verger. Il est ici. Voulez-vous escorter? Oui. Vous m'emmenez à la ferme au verger? Bien. Utilisez l'expression « suivre » pour démarrer. Quand nous serons dans une nouvelle région, je vous dirai si nous sommes sur le bon chemin. Si vous voulez que je m'arrête, utilisez « attendre ». Oh, avant que j'oublie, voici votre avance. N'allez pas trop vite, je ne serai peut-être pas capable de suivre. Alors, je crois que c'est 8 pour suivre. Suivez-moi. Oui, voilà. Avec vous. Très bien. Alors, il faut qu'il aille à la ferme au verger, donc l'entrée devrait être par là. Prendre l'arme, hein, parce qu'évidemment on va rencontrer des ennemis. Ne partez pas, attendez-moi. Oui, c'est le bon chemin. Très bien, oula. Alors attendez. Attendez. Bon, écoutez, je... Oula, oula. C'est quoi ces scarabées rouges, là? C'est moi, ils ont l'air plus gros que d'habitude. Une carte de guerre importante vous attend à la... Votre volonté est faible, attention. Oh mais c'est un ennemi. Je pensais que c'était un innocent, moi. J'aurais su, je l'aurais laissé se faire piquer, là. C'est vous, chasse-poulet, je suppose. Hein, je pensais que c'était le gars. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici? Suivez-moi, je suis avec vous. Allez, viens. Alors par contre, je vais reprendre de la vie. Inventaire, objet, potion. Voilà. C'est bon. C'est fini pour cette trappe. Oula. Tiens, un visage amical. Attendez! Ah merde. Ça va mal. Bon, on dirait bien. Il est juste là.
c'est fini. Je lui ai coupé sa tête. Il a pas fait long feu. Oh la vache. C'est fini pour cette crapule. Ok, allez, venez. Suivez-moi, je suis avec vous. Ok, très bien. C'est par là. Ah, apparemment. Attendez. Attendez! S'abuser. Merde. Bon, attendez. Ça tombe bien. La journée est belle. Ouais. Suivez-moi. Eh bien, allons-y. Mais il va falloir continuer si on veut pas qu'elle devienne un cauchemar. Je ne cours pas aussi vite que vous. Bon. On est arrivé sain et sauf. Vous l'avez bien mérité. Et voici un bonus. Alors, un geyser, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, un geyser? Jace, conquérant de la lumière, pour ceux qui ont connu. Autre. Je comprends pas. Cadeau. Un Jace. Un objet d'une noirceur de Jace pure. Un cadeau magnifique. D'accord. Bon. Eh ben, on va retourner à la guilde. Et puis ce sera tout pour cet épisode qui, ma foi, sera assez court. Par contre, l'arbalète, elle met un peu plus de temps à se... Elle a une cadence de tir réduite, je trouve. Mais non! Pas lui! Il a rien fait! Ouais, bien joué! Excusez-moi, monsieur, comment on fait pour s'excuser? Chasse-poulet. Vous chassez les poulets, hein? Oh! Merde. Je sais pas comment on fait pour s'excuser. Les idiots du village ressemblent plus à un héros que vous. Encore dans le coin. J'ai hâte d'aller combattre les petites fées là. Elles sont rapides et tout, vicieuses. En plus, elles rigolent quand elles t'attaquent, c'est trop marrant. Puis-je vous aider? Ou jetez-vous seulement un œil? Bon. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, mais je vais aller à acheter des vêtements, on va profiter. Hein. On va acheter. Et j'ai les téléporteurs au fait. Jetez-vous seulement un œil. Bowerstone Sud. Il me semble que je peux utiliser le téléporteur pour Bowerstone Sud, il me semble. Je vais aller voir ça. Ce sera plus simple que de tout parcourir à chaque fois. Alors. Voilà, Bowerstone Sud. Oui, téléporté. Très bien. C'est ouvert. Qu'avez-vous à vendre? Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Alors, vêtements. Tête. Casque de maille. Cou. Oh merde, j'ai pas assez. Ah si. Pourquoi ils me disent coup Je comprends pas. Jambes.
jambière de cuir noir, jambière de cuir radieuse, bas de robe, jambière de maille. Niveau d'armure, plus 59 quand même. On va prendre ça. Mais je sais pas c'est quoi cette histoire de cou. Torse. Un haut de robe. Ah, j'ai plus assez. De maille, cuir noir, bottes de cuir radieuse, bottes d'assassin. Plus 8 en armure. Ouf. Ouf. Gants distingués. Ok, bon. Les fermiers se sont fait voler. C'était des choses bizarres. Eh ben écoutez, on va mettre un casque. Et voilà. Bon, évidemment, pour l'instant, bon, c'est pas très cohérent comme tenue, mais mon armure est augmentée. Une fois que je l'aurai complète, ce sera beaucoup plus cohérent et j'aurai plus d'armure. Et ce sera le principal. Tiens, c'est quoi ça là-haut, une clé? Tiens donc, attends deux secondes. Ah, une carte de quête importante vous attend à la guilde. Et voilà. La clé qui va bien. Que recherchez-vous? Bon, bah écoutez, on va se laisser ici, je vais retourner à la guilde. Guilde des héros, téléporter. Voilà. Et puis notre prochaine mission, ça sera escorte des marchands, massacre de Hobbs. Nettoyer la ferme au verger des Hobbs qui s'y trouve. N'est pas assez levé pour voir prendre cette quête. Une vieille femme, malgré tout, dit que son petit-fils a disparu. Escorter les marchands dans Darkwood jusqu'à Barrowfields, pardon. Ok. Ce sera la prochaine mission qu'on fera dans le prochain épisode. Sectionner quête et esbrouf. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Escorter les marchands. Protéger les marchands, oui. Pas de protection sans égratignure. Ah, je crois que l'esbrouf, c'est escorter les marchands. Oui, bon, c'est bon. Putain, mais lâchez-moi. Bon, voilà. Ça a l'air chaud. C'est eux, les marchands? Il n'a pas l'air d'un chasseur de poulet. Bon. Mais écoutez, on va se laisser ici. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Fable. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde. Je sais pas comment on dit salut. Bon, je vais faire un... Voilà. C'est vraiment magnifique. Allez, salut tout le monde.